l'histoire de Taoki, page 103. Je vous rappelle que le titre de l'épisode, c'est « Quel rodéo ?» et que les enfants sont aux États-Unis et qu'ils viennent de quitter New York. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Donc l'Arizona, c'est un état aux États-Unis et périple, ça veut dire voyage ou nouvelle aventure. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Jacques, le palefrenier du ranch, fait découvrir les chevaux aux trois copains. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, Tornado. Celui-ci est surpris. C'est le début du rodéo. Voilà, je pense que vous avez compris tous les mots, à part peut-être le palefrenier. Donc le palefrenier, c'est Jack. C'est le personnage qui est à côté de Lily. Et c'est celui qui s'occupe du ranch. Donc qui s'occupe des animaux, qui s'occupe du ranch en général. Voilà. Je voulais vous dire aussi les nouveaux mots-outils, certains et celui-ci. Certains boivent de l'eau, donc il y a, voilà, c'est que quelques-uns, certains. Et celui-ci, c'est le cheval précis dans ce cas, dans ce contexte. Voilà pour l'histoire de Taoki, page 103.